bienvenue ou bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons manger gratin d'acra de morue. Nous allons manger bacalao con natache. Je l'ai bien dit. Je crois que c'est natache. Nachat. Natache. Nachat. Ouais, c'est ça. Donc, nous allons manger un plat portugais qui se compose en fait d'un gratin de morue. Voilà, c'est la maman de Cécilia qui nous l'a fait. C'est Cécilia plutôt. C'est la maman de Cécilia. Bah oui, bah c'est la maman de Cécilia qui nous l'a fait. Ah bon? Bah oui. Elle m'a demandé si j'aimais la morue. Je dis oui, elle a dit attends, elle va me faire un plat. C'est la maman de Cécilia qui nous a fait. Merci à toi, merci à Cécilia, merci à sa maman d'amour qui nous a fait un bon gratin de morue. Merci. Donc aujourd'hui c'est Portugal. Portugal. Voilà, aujourd'hui il n'y a pas de courrier du cœur, nous avons fini le Q&A, donc nous allons commencer par faire les chalau. Parce qu'on sait que vous aimez les chalau. Et qu'on aime faire plaisir à faire les chalau. Premier chalau pour Aya du Maroc qui passe son bac dans moins de 2 semaines. Courage à toi, on te dit merde. C'est comme ça qu'on dit à quelqu'un pour qu'on lui donne de la chance. Merde. Ouais, on dit merde. Merde. Quand quelqu'un a une épreuve et qu'on veut qu'il réussisse, on dit oh bah je te dis merde. Parce que si tu dis tu vas y arriver, courage, bah ça porte la poisse. Alors on te dit merde. Merde. Voilà, merde d'ailleurs. Pour Amy et Alissa MRC. Pour Lucie et Clara. Pour Léa de Maurice. Pour Maë et Mercé. Et en dernier, pour Jen et Kimi, la Guinéenne de Guinée. On vous aime tous très fort. Bon appétit. Avec ça, nous avons du Sprite. Voilà. Ouais, c'est du Sprite. C'est ouais. Vraiment du Sprite. On a du Sprite. Hein. On a du Sprite. Vas-y, passe-moi ton verre. Nous avons un Coca Chérie sans sucre. Nous avons du Sprite. Avec une calorie par verre. Du Sprite. J'ai fait le son de Conjuring, de même pas, c'est quoi? Inside Use. Ah oui, ça là. Ah non, ça m'avait trop flippé, surtout. Mais c'est en moindre calorique. C'est-à-dire que sa maman, la maman de Cécilia, elle a fait moindre calorique parce qu'elle aussi surveille son poids. Donc, c'est tout bénéfique pour moi. Allez, toi, t'as tout bu, tu m'as même pas fait chin. Là. Allez, on commence. Nous avons des pommes de terre. Je suis trop contente parce que j'ai commencé. Vas-y, prends. Attends. On n'entend rien, vas-y prends, on fait chin. Tu veux prendre toujours des gros bouts toi? Prends un petit bout avec la sauce au fond. Non, je veux pas prendre des gros bouts moi. Je prends ton pain. Oh. Ça m'énerve. Juste parce que tu le vois, chin. Chin. C'est trop bon. Portugal, on est avec vous aujourd'hui. Hein. Ah, on vous kiffe ce soir. Hein. Bah, d'habitude aussi, mais là. Encore plus. Ah, vous connaissez les vraies choses, moi. J'ai commencé coréen. Mmh. Pas à mon école, mais moi-même, je me suis dit, je vais apprendre coréen. C'est trop bon. Elle est juste en train de son jaillir là. Mmh. Et du coup, genre, c'est trop bien le coréen. En plus, les lettres, ce sont juste des petits dessins. Elle a commencé à vouloir apprendre le coréen parce qu'elle m'a vu lire du coréen et du coup elle est en mode oh, c'est trop bien. Bah moi je t'encourage hein. C'est trop bien d'apprendre des nouvelles langues. J'aime trop ça moi. Moi c'est mon préféré c'est l'anglais. Mmh. Je sais dire des trucs encore. Pour dire salut on dit annyeong. Mmh. Pour dire bonjour on dit annyeonghaseyo. Mmh. Pour dire j'ai peur pour dire comment ça va. Jachineseo. Mm-hmm. Pour dire au revoir, c'est Anyang Ikaseo. Mm-hmm.
Mais maintenant, il faut que tu regardes des vlogs et tout en coréen pour bien connaître comment prononcer les trucs. Des vlogs et voilà, apprendre les mots. Dès que tu seras à l'aise à connaître plusieurs mots coréens, on pourra mettre une application hasard, je sais pas ce qu'on te dit. On pourra mettre hasard pour parler avec des gens d'autres pays. Moi, c'est ce que je faisais pour être à l'aise avec l'anglais, genre récemment. Parce qu'il y a plein de gens qui se sont foutus de ma gueule sur YouTube, sur TikTok et tout blabla. Il y a pas longtemps? Sur Instagram, non, bah, quand on commençait, qu'on parlait tout en anglais. Et vous, là, vous touchez pas à mon anglais. Mon anglais était éclaté, mon accent était éclaté, ils se sont tous foutus de ma gueule. Mais en même temps, c'est pas grave parce que ça nous a fait plein de vues. Bah Donc, oui. beaucoup d'argent. Donc voilà. Donc vous, là, les haters, là, vous êtes idiots. En plus, vous nous donnez de l'argent. C'est pas grave. Pour regarder et mettre des dislikes, vous êtes trop bêtes parce que Mais ça c'est vous donne pas quand même de l'argent. grave. C'est pas grave. Marketing, tu sais pas? Plus on parle de nous, plus on gagne de l'argent. Non? J'avais Mais on va mettre hasard quand tu seras bien à l'aise avec ça, comme ça je resterai là. Oh, j'ai un gros bout de morue là. Oh là 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 là. Maman? Hein? Vieille morue, qu'est-ce que tu veux? Seule vieille vomi. Vieille vomi. Vieille morue. Maman? Là, je prends toute ta chaleur. C'est méga chaud. Coca. C'est tellement bon. Il y a des gros morceaux de morue, des gros morceaux de pommes de terre. C'est trop bon. Moi, je kiffe là. Alors, normalement, je crois qu'il fallait rajouter du fromage, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Mais j'ai pas rajouté le bon fromage, je crois, parce que j'ai rajouté de l'emmental, du gruyère. Mais je crois qu'il fallait que ce soit bien étiré. Il fallait qu'on ajoute de la mozzarella, je crois. Mais c'est trop bon, c'est pas grave. Mais c'est bon comme ça. Mais en tout cas, merci à Cécilia et à sa maman. Merci beaucoup, c'est trop bon. C'est magnifique. Moi, je t'ai laissé le gros bout de morue. Hein. C'est trop bon. Patate, elle sent quoi ça en dessous du fromage? Tiens. Il n'y a rien à dire, franchement. C'est vraiment trop bon. Le prochain truc que j'aimerais goûter, parce que pour savoir comment ça s'appelait, je me suis un peu renseigné sur internet. Et j'ai vu qu'il y avait genre une galette, genre en forme d'ovale, petit comme ça, genre, fourrée avec de la morue aussi, avec un cœur de fromage qui s'étire. Et sont à base de farine, genre. Du coup, le fromage, il a un cœur. Quand tu mets au milieu, ça s'appelle au cœur. T'inquiète, je sais. Hein. Je suis pas aussi gogol. Hein. Je suis exprès. Moi, je suis intelligent quand même. Ouais, venant de la petite fille qui disait mon fruit préféré, c'est la saucisse. Non, mais moi, c'était une blague. Et que partout sur internet, j'ai dû clasher les gens parce qu'ils croyaient vraiment que tu étais débile et que tu savais pas faire la différence entre un fruit et une saucisse. Déjà, je suis pas débile. Je suis parti à la course. Pour insulter les gens, clasher les gens sur internet pour dire ouais je. Je connais la viande, c'est poulet, riz. C'est poulet, saucisse, viande rouge et tout, tu vois. Féculent, c'est le riz, les pâtes, genre le pain. Ouais, mais il parle de à ton âge d'avant. Ouais, mais t'avais dit à Henry, ah mon fruit préféré c'est la saucisse. C'est normal, j'étais trop bête. Mais en fait, tu faisais une blague. Mais moi, c'était des blagues. Moi, je suis pas aussi débile que vous. Et du coup, les gens, ils ont repris sans prendre le contexte. Partout sur Internet, Instagram et tout, ils te clashent en disant « Ah, je veux pas voir la mère, les parents qui lui apprennent ça, ils connaissent pas, c'est quoi les fruits. » Et moi, je suis partie à la course, à la chasse aux gens. Dès que commentaires que je voyais, qu'on m'épinglait, qu'on me mentionnait, je vais dire « Mais t'es débile ou quoi? Tu sais pas qu'à cet âge-là, ils sont débiles et qu'ils font des blagues bêtes. » Ah ouais. Mais en fait, ils disent que je suis débile. Mais eux, ils sont débiles parce qu'eux-mêmes, ils ne pouvaient pas penser que c'était une blague. Non, mais tu as dit tellement sérieusement, je dis. Ouais. T'étais vraiment tellement sérieuse quand tu as dit ça que... Donc c'est toi, là, derrière ton écran. À part les vrais abonnés et tout, les haters, là, vous, derrière votre écran, vous êtes... Tellement sur TikTok. Tellement je clash des gens à cette époque-là. Il y a des gens qui essayent de nous clasher encore.
Il y a d'autres personnes qui disaient, ah non mais elle, il faut pas parler sur sa fille parce qu'elle va venir te clasher. Donc j'ai rien répondu, j'ai juste lu le commentaire et j'ai mis un cœur au commentaire de la personne. J'étais en mode, eh, les gens ils me connaissent, hein. Mais tu peux m'insulter, tu peux dire ce que tu veux sur moi. Mais quand ils disaient sur toi là, ouais, comment tu veux. Surtout sur Zepeto là. Tu rappelles sur Zepeto? Ah, j'ai insulté toute sa famille, tous ses ancêtres. Quelqu'un qui insultait ses frères et ses copines. J'ai pris le micro, j'ai pris le téléphone, j'ai insulté toute sa famille, toutes ses ancêtres. Je suis choquée. Eh, hey, en fait, toi, il faut pas toucher avec tes enfants, en fait. Bah, je vois, c'est comme toutes les, la plupart des mères. Hein. On peut dire ce qu'on veut sur nous, mais à partir du moment où on touche les enfants, c'est, ça y est, c'est la guerre. Ah. Je commençais bien rempli, hein. Ouais, moi aussi. Ça, ça calme vite, hein, n'empêche. Hein. On n'a même pas mangé la moitié, s'il te plaît. T'as vu comment, comment j'ai mangé un tout petit peu? J'ai pas descendu. Enfin, si, un peu, mais... Ouais, mais c'est pas beaucoup descendu, c'était genre à là. Et là, c'est à peine à là, genre. On a mangé que ça. Ouh. C'est méga bon, n'empêche. Tellement c'est chaud, regardez. Ma fourchette, elle fume. Mais voilà, fumée. Ouais, ça attrape. Bah, encore. Est-ce que tu peux me faire aussi? Merci. Ben, cochonne. Toi-même, cochonne. Je me disais toujours ça. Bon. Je t'en passe bien. Je sens que tu vas faire une connerie là. Moi aussi. Je sens que ça va faire et ça va mettre de la sauce partout. C'est nul. Bon, je bois un peu et je vous dis bye. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. On vous aime tous très fort. Bye.